Le Big Jack, comment ça va? J'ai pas de musique. Ah, là, c'est pour ça. Ouais, ça va, tranquillou. J'ai un peu merdé parce qu'en fait, le jeu, je l'ai sur Xbox et j'ai oublié qu'il y a un temps d'installation. Du coup, j'ai un peu de retard et je vais avoir un petit peu de retard. Et donc, je vais combler un peu le vide comme je peux. Ce qui est un peu dommage. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Il y en a pour combien de temps à peu près? Ça, il me le dit pas. Hein. Ah non, ça, il me le dit pas. Le coquinou. Je pourrais. J'ai fait ce jeu. Oui. Un truc rapide. Installer non plus là-dessus. C'est embêtant ça. J'ai vu que t'as lancé un live tout à l'heure. Ça s'est bien passé, t'as joué à quoi? C'est tout, on va patienter. C'est gentil. Little Nightmare, lequel? Le premier? Il est sympa ce jeu. J'ai pas fait le 2 par contre. J'ai bien aimé le premier, il est vraiment cool. Ouais, il a l'air bien. Et tu en es où? Tu as commencé le jeu aujourd'hui ou tu avais déjà commencé? Sur le début de l'aventure ou... J'ai joué une grosse heure, pas encore terminé. Ok. Après, il est pas très très long de... Tout ce que je me souviens, c'est un jeu qui se parcourt assez rapidement. Mais l'ambiance, tout ça, il est vraiment bien. Ça. Ouais, je me suis bien marré. Bah, tant mieux, c'est ça, c'est l'essentiel. Et c'est pas le jeu le plus marrant du monde, mais au niveau de l'histoire, on n'est pas sur la chose la plus. Nino était au fond du rouleau sur le chat, pourquoi? Coucou Jack, comment ça va? Bah ça va bien. Ça va être tranquillou. T'as pas bossé toi aujourd'hui, c'était encore un de tes jours de repos, non? Kefa? Alors là, je fa que j'attends en fait que le jeu s'installe. Parce que je vais jouer, j'ai la version Xbox du jeu et en fait j'ai complètement oublié qu'il fallait faire l'installation. Donc là j'attends que ça s'installe. Je pense que dans pas longtemps je vais pouvoir commencer. Mais j'attends. J'attends que ça s'installe parce qu'il y a le jeu à installer Et en plus de ça, il a trouvé des mises à jour du jeu, donc je patiente un peu quoi. J'ai pas géré là, j'ai vraiment pas géré. J'aurais pu l'installer ce week-end parce que je savais que j'allais y jouer, tu vois. J'aurais pu prévoir, mais bon, voilà. Surtout que j'ai rien foutu hier. Je sais pas si c'est un jeu d'horreur. Ça s'appelle Get Even, et je t'avoue que je sais pas quel type de jeu c'est. C'est un collègue qui me l'a conseillé. Et moi j'ai foncé tête baissée.
je lui avais offert le jeu pour son anniversaire. Il m'avait parlé que le jeu avait l'air pas mal et qu'il avait envie de l'essayer. Et du coup, j'ai réussi à le dégoter. Parce que je l'ai fait importer, ce qui n'existe pas en version CD en France. Du coup, j'ai réussi à le dégoter. Du coup, je lui en ai acheté un et j'en ai profité pour m'en acheter un aussi. Mais ça fait un moment que je me le traîne. Hein. Il est dans mon étagère depuis un petit moment. Je l'avais même pas ouvert encore. A priori, on est plus sur une sorte de trailer, de thriller. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je crois pas que ce soit un jeu d'horreur. Mais je pense que l'ambiance, elle est un petit peu... Pas horrifique, mais peut-être pesante. Mais je suis pas sûr. Coucou Alex, comment ça va? Ah, tu te trop... Demain aussi, mais tu m'as pas dit que t'avais été en repos hier et aujourd'hui? T'as 3 jours finalement? Qu'est-ce que je peux... Où est-ce que je peux trouver des infos sur ce jeu? Là. Ouais, ça lance un FPS, c'est sûr. Ouais, une sorte de polar, voilà. Et sur un jeu un petit peu à scénario. Donc on va découvrir tout ça dans quelques minutes parce que du coup on a toujours ce petit souci d'installation. Comme un lundi. Ah oui, en effet, toi c'est un lundi de reprise. C'est la fin des vacances. Salut. Bon là je vais me coucher, donc bonne nuit. Je passe pour te dire bonne soirée et bon stream, BG. Merci beaucoup Omega. Passe une bonne nuit. Et merci beaucoup d'être passé de passer faire le bisou, c'est très gentil. Et repose-toi bien. Mais demain j'ai apéro en fin de saison à la de fin de saison à la friche, apéro de fin de saison. Plus ça sert. Les apéros travail, j'aime pas trop ça. Ça me... Pas mon truc. Ça doit être polarisant. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Oui, non, mais j'ai compris. C'était à boire. À boire et à manger, oui, c'est le petit apéro, mais fin de saison de quoi? Ah, par rapport à l'été, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a plus de saison. Non, bah, tu vas te régaler, mais aller jusqu'à la friche pour ça, moi j'aurais pas la foi, tu vois. Ouais, non, mais je comprends bien, tu fais acte de présence pour qu'il te fasse travailler l'année prochaine. On a bien compris le truc. On lèche un peu des culs, quoi. C'est pas loin. Oh, ça, c'est... En vrai, bah, après, la friche, c'est un peu chiant d'accès, quoi, comme... Tu vois? Pour se garer et tout ça. C'est pas ouf, hein. Ils me reprennent au moins. Ah, la carte parking. Su à une carte parking. Et bien évidemment que c'est facile avec une carte parking. Tiens, on m'a demandé mon passe sanitaire aujourd'hui. Pour la première fois. Ouais. Moi, j'ai dit que je l'avais pas. Je suis passé quand même. Et il est actif dans 24 heures là, c'est un peu chiant quoi. Coucou la cousinette, comment ça va? Ouh, tu as le bonsoir de Mamako. T'as la petite émote de Mamako, c'est mignon ça. Bah non, je l'ai pas le pass, il est pas activé encore. De ce que j'ai compris, il sera activé demain, mais je sais pas si c'est demain genre le 7. Donc c'est-à-dire dans quelques heures là, ou si c'est demain, en fonction de la date à laquelle je me suis, de l'heure à laquelle je me suis fait vacciner, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que soit il est demain matin, bah c'est bon, j'ai mon pass, je suis OP, soit il faut que j'attende demain soir, fin de journée, parce que je m'étais fait vacciner, genre à 18h45 ou 50, je sais pas, tu vois. Et là, ça serait chiant. Bah ça va la couille, ça va tranquillou. Ça va bien. Je vais commencer là dans pas très longtemps. Il me reste
Quelques gigas. On y est presque. Bah non, je l'ai pas encore la couze, c'est ça justement. Je l'aurai dans quelques heures. Go boire des coups à l'infini, carrément. À l'infini. Déjà, on va prendre un verre, on verra s'il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, faudra qu'on fasse un truc et que... qu'on fasse venir Jack. Qui nous joigne boire des coups avec nous. Le bateau, putain, mais maintenant le bateau, ça va être chaud là avec le taf qu'a repris. En plus, il faut qu'il continue à faire beau, quoi. S'il fait pas beau. C'est ça. Alors, je sais pas si tu es sur le live, Bébou. Mais oui. Et si t'es pas sur le live, je vais te répondre. Oh non, il y a des requins. Comment ça, il y a des requins? Où il y a des requins, la couze? Il y a une histoire avec des requins, là, récemment? Moi, j'ai vu le film Piranha, ailleurs. Piranha 3D, là. Oh, il y a le bébou qui joue avec toi. Non, il joue pas avec, pas avec moi. On fera. Il y a un jeu. Il y a un jeu qu'on fera à deux avec le bébou. Get out? Non. The Way Out. C'est un jeu multijoueur uniquement. Et celui-là, ouais, on va le faire à deux avec le bébou. Oh, j'ai pas encore de date pour dire quand est-ce qu'on va le faire. On va le faire. Mais je sais pas encore quand. Faut qu'on puisse être libre tous les deux. Faut que. Tu vois? Il faut que je rentre au planning, tout ça. Oh purée, c'est le pire film que j'ai vu dans ma vie, Piranha 3D, cauchemar pendant 3 semaines. À ce moment-là, la couze. Ils ont passé le 2 hier à la télé. J'avais jamais vu ni le 1 ni le 2. Du coup, après avoir vu le 2, je me suis dit, ah, trop bien, je vais regarder le 1. Le 1, il est un peu plus. Un peu plus. Un peu plus dur que le 2. Le 2 est marrant. Le 1 est marrant aussi, mais il est un peu plus dégueulasse, on va dire. Un peu plus sale. Tu me diras quand tu as une date, je bon, ouais, il n'y a pas de souci, la couche, je te dirai, je dirai sur le Discord et je le dirai, je t'enverrai un message personnellement s'il le faut. Allez, on est à 22 gigas sur 24, on y est presque. Après, je vais pouvoir lancer Get Even. Ouais, mais j'ai ultra peur des piranhas, du coup, ça accentue le truc. Ouais, mais après, tu sais, les piranhas, il n'y en a pas vraiment beaucoup par chez nous. C'est plutôt rare d'en croiser. Et dès comme dans le film, encore pire. Ça n'existe pas, ça. C'est un modèle un peu spécifique dans le film. Débrouillez-vous pour avoir un samedi ou dimanche proche et on va une après-midi sur l'eau, là. Il a envie d'aller se baigner, le Jack. Vous allez jouer à saute? Allez, plus qu'un giga. En plus, ça démarre avec un mec qui jette une bière dans l'eau et qui ouvre la cave au piranha. Quelle horreur! Déjà, déjà, il y a une bière perdue. Hein, ça, c'est la. C'est peut-être le pire du film, cette bière perdue. Et après, oui, la sortie des piranhas, évidemment. Mais il t'a bien marqué, du coup, si tu t'en souviens bien, apparemment. J'aurai presque qu'une demi-heure de retard. Ça y est, il est installé. Allez, je vais pas perdre plus de temps. Get even. On va couper la musique. Ok. Coucou Brigitte. Coucou Dekay. Brigitte, mets le jeu.
Merci Brigitte. De rien, BG. Brigitte, la maman de Thibaut, on sait pas. En tout cas, elle m'aide beaucoup. Tu peux lui dire bonjour dans le chat, hein. Tu dis bonjour Brigitte. Elle est très réactive, Brigitte. Elle répond pas à tout encore, mais elle est assez réactive. Alors, get even. C'est parti. Chargement du profil. Ajuster le gamma. Brigitte, ça rime avec frites. Alors, à peine visible, invisible. Ouais, c'est pas mal. Le gamma est plutôt pire correct. En tout cas, sur mon écran, c'est comme ça. C'est pas mal. Allez, on part sur ça. Enregistre. Ça a l'air très sombre comme jeu. Alors, je regarde juste vite fait. Affichage, c'est bon. Paramètres audio, commande. On va les apprendre rapidement. Il y a des scans à faire. Bon, je verrai ça en jeu. Je pense qu'on aurait peut-être une phase de tutoriel. Nouvelle partie. Difficulté, traumatisant. Vous serez confronté au souvenir de plein de fouets. De fouets, aussi douloureux et oppressant soit-il. Oula! On peut changer la difficulté ou quoi? Paisible, traumatisant. Bah, traumatisant, hein, on est là pour ça. Alors, c'est quoi ce jeu? Ça s'appelle Get Even. C'est un jeu que j'avais acheté à Bébou. Son anniversaire, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et ce qu'il m'avait parlé de ce jeu, il m'avait dit... ce jeu est vraiment pas mal. J'aimerais bien le faire. Du coup, j'avais réussi à lui trouver. Et j'en ai profité pour en prendre un exemplaire pour moi-même. Et j'ai jamais joué encore. Et donc ce soir, c'est le soir où je commence à y jouer. C'est un jeu narratif, a priori. Donc je pense qu'il faut bien suivre l'histoire. Donc c'est pas un jeu d'horreur, je crois pas, c'est plus sur de l'enquête et ce genre de délire un peu thriller, tu vois, mais pas horreur. C'est pas super pépouze non plus, hein. Sauve la fille. Black, ne venez pas au point d'échange, on a la fille, vous ne pourrez pas la sauver. Et vous ne pouvez pas la sauver, laissez les choses se faire. Détection en cours. D'accord, j'ai trouvé des preuves a priori. Enfin, je peux en tout cas. Ça, c'est pour me baisser. Focus sur le téléphone. Ok. Bon, on va avancer. Je ne peux pas avancer. Cette porte est fermée. Mon Dieu. Coucou, Châtaigne, comment ça va? Du coup, je sais pas du tout ce que je dois faire ou chercher. Oui, il faut pas que je trouve la fille. Oh, il y a un drone là-bas. Ça va très bien et toi? Ça va bien aussi. Alors non, je dirais pas jeu d'horreur, je crois plus thriller. Jeu narratif un peu. Mais j'en suis pas sûr en fait. Et avec des phases de FPS aussi. A priori.
On dirait Arma. Alors, je sais pas si on est sur peut-être le même moteur, hein. Ah non, maintenez Y. Hop. Ok, j'ai mon téléphone. Et ensuite. Donc, a priori, je m'appelle Black. Je vais aller par là-bas alors. Je sais pas où je dois aller. Oui, là c'est ouvert. Là ça m'invite ça. Ça m'invite à rentrer ça. Les lumières vertes sur le côté du smartphone vous guident vers l'épreuve à proximité. Oh, ce téléphone est bien. Ouh là, il y a de la preuve là. Ouh ça, c'est de la preuve de proximité, ça où je m'y connais pas. Aucune preuve trouvée. Ok. Les cadrans blancs doivent être alignés. Tentez de vous rapprocher. Quel cadran blanc? Je suis assez proche là, non? Ah, voilà. FDG, drone flight control Carte contrôleur du drone This FDG. is military grade. Équipement militaire. Intéressant. Cette porte est fermée. Sûrement la chaise qui la bloque. Ah non, peut-être pas. Ah, ça fait bizarre un FPS à la manette. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué un FPS à la manette. Cette vitre est cassée. ADN trouvé, femme, âge entre 18 et 22 ans. Elle est pas morte, la couze, elle est pas morte. Elle est probablement dans un état un peu spécial, mais elle est peut-être pas morte. Il y a un truc par là, c'est de l'autre côté, non. Qu'est-ce que je dois trouver là? Il y a autre chose que je dois trouver. Ça vibre, je le sens. Ah, c'est là par terre. Ouh, la corde, ça c'est jamais bon ça. Pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Sauf là la couze. Le couze. Échantillon corrompu, on ne sait pas si c'était elle sur la chaise. On n'a pas de preuve. Bah je vais la sauver, je vais la sauver, je vais faire ce que je peux. Je dis pas que je vais. Je vais pas la laisser, ça c'est sûr. Ouh, ça fume encore, ça. Empreinte digitale partiellement trouvée. Aucune correspondance dans la base de données biométriques. Il est très très fort ce téléphone. Le fantôme arrive, prends-le en photo. On dirait un smartphone Caterpillar, ouais. Ouais, ça ressemble vraiment à un smartphone Caterpillar, le genre de smartphone que tu peux pas casser. Mais dans les vrais, ils ont pas des fonctions comme ça. Et pim, en plein dans la tête, on sourit moins hein, maintenant. Oula. Le truc qui s'est fait allumer, je crois. Par contre, il y avait un truc par là, j'ai vu un point. Là. Peut-être dans cette pièce-là. Raté, putain, quelle arme de merde. Petit médicament là? Natrazepam. Substance sédative. Ils ont dû la droguer. Ok. On va avancer vers les coups de feu. On va partir sur une arme plutôt légère. Les immolations sont rapides et discrètes, mais elles peuvent être effectuées que de près. D'accord. Très bien.
Ah mais ça va, il tire sur une photo. Je vais t'éliminer discrètement. Ah oui, mais il est pas silencieux le sien. Moi, je veux un silencieux. Un tueur né. Je crois qu'ils aiment pas ce monsieur. Qui est-il? Arme reconnue. Ah, mais. Pistolet semi-automatique. Ok. Mais... Bah, c'est pas tant l'arme en fait que je voulais. Qui est ce monsieur sur lequel il s'est mis à tirer? Aller par là de suite. Continuer sur cet étage. Il fait peur, mais j'avoue que après les trous qu'il a sur le visage, ça l'aide pas non plus. Hein. Ça le rend pas plus joli. Ok, c'est fermé. Très bien. On va aller par là et on va descendre. On dirait Marseille une semaine avant que le président devienne. C'est vrai qu'ils ont tout nettoyé pour le président. J'espère dire qu'elle ne risque rien. On se tient au plan. Ouvrez l'application carte. Toute cible en mouvement s'affiche sur la carte en temps réel. Sérieux? Y a personne derrière cette porte. C'est bien ça la carte. Comment je peux changer d'application? Voilà, comme ça c'est bien ça, le changement d'application rapide. Sauve la fille. C'est elle qu'il faut sauver. Très bien. Ah, j'ai la lampe de poche aussi, incroyable. Le caterpillar est incroyable. C'est fermé là aussi. D'accord, là aussi. Ok, c'est fermé. On va continuer. On va descendre. Ah, y a des ennemis là-haut. Ils sont deux. Non, ils sont au-dessus. Ah, ils se déplacent. Alors, je suis complètement paumé. Ils sont au-dessus de moi. Ouais, c'est ça, ils se déplacent et moi je suis en dessous. Très bien. On peut se relever. L'ambiance, elle est pas trop mal, hein. Pas comment je me sens, je sens, mais je sais pas comment je me sens. Bah, si je dois avoir peur ou si je dois être en mode agressif, tu vois. La musique est sympa à la bande. Genre, je sens le son me dit que je me rapproche de quelque chose là. Merde.
Ouais, la musique est stressante de ouf, ouais. Exactement. Là, elle va être moins stressante, la musique, je te le dis. Je sais pas ce que je peux mettre mon téléphone là-dessus. Oh là là, mais je suis équipé, hein. Chut. Pas de bruit. Vas-y, kill-moi ça. Ça a été très discret. Oh merde, c'était sa femme. Ah. Ils sont séparés a priori. Il a les gosses que le dimanche. Alors j'incarne Black. Monsieur qui doit sauver une fille apparemment. Après je sais pas quel est mon métier dans la vie. Oh merde, 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 il va venir. Oh. F pour les petits nouveaux orphelins. Elle est complètement droguée. En plus, il devait les amener manger un burger. Non, je crois qu'il fallait pas qu'il les amène manger encore un burger. S'il doit les amener souvent manger des burgers, je crois. Bon, heureusement qu'il y avait le bullet time, sinon ça serait mal passé. Ah, ils ont armé une bombe, je crois, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, ils ont armé une bombe. Là. 3001 le code. Ok. Oh putain, il reste 5 secondes. Non, non, non. J'ai merdé. S'il a pris en compte qu'une fois quand j'ai cliqué sur le zéro. Ah là pour le coup c'est un beau riff là. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je recommence? Putain, il reste 5 secondes. Eh non mais ça m'a pris de court, enfin j'étais pas prêt à... Ah, c'est peut-être pas réel en fait. Ah, tout va bien alors. Mais parce qu'en fait, sur la boîte derrière, il y a marqué What is real? Qu'est-ce qui est vrai? Donc, peut-être que le mec, il s'imagine des choses. Peut-être que le mec, il est dans un hôpital psychiatrique. Je reconnais pas son bras. Que se passe-t-il? J'attends dans le bâtiment B, comme convenu. Red, Red. Ok. Red. Looks like I'm going to building B. Ah, c'est Red. Moi, je suis Black. C'est peut-être ça, c'est peut-être le jeu qui avait prévu que j'avais pas temps. Et peut-être que si j'avais tapé à temps, peut-être que ça aurait quand même explosé parce que c'était pas le bon code. Ah, il y a quelque chose par là. Je sais pas ce que je cherche, mais il y a quelque chose là. Ah, mais ADN trouvé, femme, âge entre 18 et 22 ans. Ah, oh, mais c'est déjà... C'est arrivé, alors? C'est ce qu'elle avait au pied, en fait. Oh. Hop, c'est sûrement là-bas que je dois aller. Là où il y a la croix. Non, la croix, c'est une statue. Évidemment. Bâtiment B, ça, c'est le A. Il est où, le B? C'est le B. Ok, la porte vient de se refermer. Qu'est-ce que c'est ça? Une bombe, une fille. Cole Black était là pour la sauver.
Ah, je m'appelle Cole Black. J'étais là pour la sauver, apparemment. Je devais sauver la fille. Je sais pas si je l'ai sauvée du coup. Ouh, il y a quelque chose sous le lit là. Quelle est cette chose? C'est un bras. C'est pas un bras humain, ça on dirait une marionnette. Et d'un trouvé profil correspondant, patient numéro 912. Patient. Dans un hôpital alors. Shit. Am I alone in here? No thermal readings in the area. Just me then. C'est pas Versailles ici. Il y a des bras comme ça là. Et tu me diras tant que c'est des bras. Oh. Attends, je vais y aller là. Mais avant, il y a apparemment un indice quelque part ici. J'arrive pas à trouver où. Ça vibre, c'est là. DNA found. Oh merde! Matching profile. Patient 219. C'est humain ça? Non. Non, c'est des marionnettes. Pas de bras, pas de chocolat. Say, come on. Et des fauteuils. Ah, un plano électrique. Peut-être établir le courant, non? Bon, on va rien faire ici. Mais en fait, il faut que je suive la musique. La musique, elle est inquiétante quand je vais dans des endroits. Et là, il n'y a plus de musique. Enfin, en tout cas, elle est moins inquiétante. Oh. Oula. Il y a des bruits bizarres, là. Attends, je vais retourner par là-bas. Cette porte, là. Ah. Bah, c'était bien par là-bas. Il est flippant. Oh merde. Elle marche plus ma lampe là. Pourquoi il y a quelqu'un qui pleure là? Un message. Tout est de ta faute. Maintenant ça va être de ma faute. On s'est parié à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe à la... Je suis là. Tout va bien. Attention, circuit électrique du bâtiment instable. Initialisé avec le disjoncteur ou la boîte à fusible. Ah, je sais où c'est. Those wires are probably warm. I could trace them back to them. Vision. C'est ça, la vision incroyable. Enfin, j'ai l'impression que je vais voir des choses que j'aimerais pas voir. Je sais pas ce qui se passe. Je couche sur cette couche, je repasse tout à l'heure pour voir si tu as sauvé du monde. Ça marche, la couze. Bonne navigation à tous les deux.
ou à tous 4 si vous êtes 4. Enfin, bref, bonne navigation. Je vois rien. Attends, je reviens de là où je vais là. Et dans quel sens je suis? Ah, de toute façon, la boîte à fusibles, elle doit être là-dedans. Ok, il y a un ordre. Alors. Il n'y a plus rien qui marche. Alors. N'y a pas un reset général là de la connerie que j'ai fait? Non? Non. Non. Ok. Ça marche pas. Ça non plus. Un, deux, trois, ah. Ok, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Il y a un ordre, mais il est défini par ça. Tout va bien là. Vos actions auront des conséquences. Bah, ça va, j'ai juste mis le courant. Hein. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des pas le long du truc. Ça s'arrête là. Très bien. What? Qu'est-ce que... Attends, mais je pensais pas que c'était un jeu comme ça. Petit coup de pression là. Où ça sent l'indice là? Où il y a un indice ici? Une bonbonne de gaz, c'est bon ça? Gaz anesthésique, halothane détecté. Qui c'est qui a été anesthésié? C'est la demoiselle? Mais du coup, je sais plus où j'en suis, moi. Des documents importants. C'est moi, ça? Après avoir quitté l'armée il y a 7 ans, il semble que le Bac ait perdu plusieurs années de sa vie en sombrant dans l'alcool et occasionnellement la drogue. Pour arriver à financer une telle hygiène de vie, il commence à faire des petits boulots en tant qu'agent de sécurité. Petit à petit, il réussit à se forger une réputation d'homme déterminé, prêt à combattre si la situation l'exige. De fil en aiguille, Black est devenu un mercenaire et a laissé de côté l'alcool qu'il a remplacé par les frissons que procurent ses nouvelles missions. Bien que ses contrats lui rapportent gros, Black ne semble prêter attention à l'argent que pour mesurer l'importance du contrat et le sérieux de son client. Les rapports psychologiques présentent Black comme une contradiction ambulante. Il est incapable de tuer sans être assailli par un sentiment de culpabilité. Pourtant, tuer lui permet de donner un sens à sa vie. D'après nos informations, il n'a aucun ami proche. Intéressant ça.
Je n'ai pas d'amis proches. Ah, mais je les ai vus, ces pilules. Ah, mais c'est des photos que j'avais prises, ça. C'est tous les indices que j'ai récupérés dans la première partie. A priori. L'ADN, la corde. Et oui, c'est exactement ça. Et ça, c'est quoi? Et le drone. Ok, mais je suis où là? Je suis chez moi, c'est ça? Il est extrêmement bizarre. Oh merde. Ah, Mr. Black. Veuillez excuser la mise à scène, cela fait partie du traitement. Oh. Les choses seront plus simples si vous contentez de respirer. Oh merde, le gaz anesthésique. Oh shit. Oh. Ça prend des tournures un peu spéciales. C'est bon, monsieur Black, du calme, respirez. Bon, voilà parmi nous. Il est normal que vous soyez embrumé. C'est quoi ce truc sur ma tête? Ah, j'ai un casque. Votre confusion est un effet secondaire du traitement. C'est fâcheux, mais je vous garantis que vous êtes entre de bonnes mains. Si ça peut vous aider à rester concentré, appelez-moi Red. Vous m'avez drogué. Avant, il y avait autre chose. Dans un autre endroit. C'est pour cette raison que vous êtes ici, monsieur Black. Mais l'heure n'est pas aux questions. Oh. Alors, j'ai toujours mon portable. Ça va. C'est mon couteau suisse. Ah, mais attends, mais j'étais même pas sur un lit. Ok, la porte s'est refermée. Wait. Wait. A gun. My gun. Consider it security, Mr. Black. A token of trust. How can I trust you when you knock me out and put this thing on my head? To explain, your memory. Vos souvenirs ont souffert de l'explosion. Deux questions restent. Two questions that you came to us to answer. Why were you? Ah. Pourquoi étiez-vous là et qui est la fille? C'est vrai qui l'a fait? To save the girl. Then we are making progress. Please, proceed. Proceed with what? Hello? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Analysis complete. Unité mémorielle RR003, Pandore Savant. Pandora Savant. Looks like the same thing I'm wearing. Ah, j'ai un truc sur la tête qui me rend intelligent. C'est bien ça. Oh. Moi, je suis pas tout seul, apparemment. Et au moins, il a un lit. 28 ans, force armée, unité classifiée. Armed forces. What's he doing here? Ah, hôpital psychiatrique. Donc, déjà, on sait où on est dans un hôpital psychiatrique. Ça paraissait un peu évident. You think you've got me figured out? You just wait. I'll crawl behind your back.
Il est pas content, il est pas très très bien lui. Rapport de personnes disparues. September 2000. Wait, that was. When was that? C'est vrai, c'était quand ça, septembre 2020? On est en quelle année là? On n'a rien sur les années. Date d'admission, lui, il arrive en 97. J'ai loupé un truc ou faut que j'aille plus loin? Non, faut que j'aille plus loin. Hey friend, over here. You got out. How did you get out? You can't leave me here. Just hang on. What's going on here? Where are we? Samson Charnel. S'il te plaît, faut que tu m'aides. L'interrupteur est juste là. Ouvre la porte, je t'en supplie, aide-moi. Mais pourquoi je t'aiderai? On se connaît? Bon, il a l'air détendu. Je sais pas si je le sens ou pas. Il faut que je t'aide. C'est toi qui le décide. Hein. Après, j'ai choisi si je t'aide ou pas. Mais je te connais pas, moi. Quoi, moi, je suis dehors et pas toi. Il y a quelque chose qui fait que... L'horreur d'un asile. Est-ce que c'est là où on est? Benny et ses traitements ont fini par avoir l'asile de Lidsturt, le nom de l'hôpital des dents. Oh, c'est ici, je crois. L'hôpital des dents perdues. Ça vaut pas le coup, ça. Merci, Monsieur Black. Nous devons être aussi efficaces que possible. Oh, j'aurais dû le sauver. Toutes vos actions ont des conséquences. Ok, donc c'est soit je le sauve, soit je le sauve pas. Mais du coup, ça va interagir avec la suite. Jeu d'horreur, oui et non. Enfin, il y a des moments un petit peu spéciaux. Mais c'est pas horrifique, en fait. Ok, je t'ai pas ouvert la porte, mais ça... Arrête! Eh ben... Je suis désolé, mais gros, c'était pas ouvert, mais ça... On sait pourquoi. Benway donnait à chacun de ses patients une dose de LSD et lui précisait qu'il avait pour objectif de retrouver son soi. Ok les patients. Trop bien. Ah mais je crois que c'est celui que je viens de tuer ça. Samson Charnel. Traitement spécial pour manipulation à déterminer. Remarque générale, le patient travaillait en tant que vendeur à domicile, mais après avoir fait une dépression nerveuse, il s'est autoproclamé chef d'une secte. Ok. Ouais, je rentre là-dedans, ça se ferme, non? Ah non. Bon, on va peut-être avancer par là-bas. Non, c'est pas par là. Je reviens en arrière alors. Ok, c'est par là. Votre mémoire a été atteinte, mais vos réflexes restent inchangés. L'exemple parfait de la mémoire musculaire. Fascinant. Un nouveau message. Tu m'as abandonné, mais je connais le chemin, c'est ouvert.
Ça, c'est qui, ça? John Linden, je ne connais pas cette personne. Par contre, il y a un indice dans le coin, là. Est-ce que je l'ai loupé? Est-ce que c'était en arrière? Non, c'est plus loin. Ok. Hop, il est là. Qu'est-ce que c'est? C'est un tag. Aucune preuve trouvée. Premier anniversaire, deuxième, quatrième, non, non, jamais de troisième, jamais. Ah oui, ça a été bugué. Ah, il est là, John Linden. Il a l'air gentil, lui. Non? J'ouvre ou j'ouvre pas? J'ai envie d'ouvrir. Oula. What did you do, Mr. Black? Understand, your actions here will have consequences. You must take responsibility. Je l'ai tué? Non. Non, il est pas mort là. Sorry, what? Vous avez endommagé le circuit électrique dans le champignon tout à l'heure. Pour la sorte de cause à effet, monsieur Black. C'est vrai que vous êtes ici. Action, réaction, passé, présent. Veuillez continuer. Proceed with what? Fuck's sake. J'ai cassé des trucs. Toujours à l'affût, rien ne vous échappe, monsieur Black. Une qualité admirable qui se révélera très utile pendant notre premier petit voyage. Vous êtes confronté à des stimuli externes en portant l'utilité Pandore, plus vos rappels synaptiques seront efficaces. Ok, donc ce casque va me permettre de m'améliorer apparemment. Parce qu'il va m'améliorer, mais... Ok, donc là il n'y a rien, tout est fermé. C'était pas le bon choix. C'est quand même grand. Hein. Oh. Qu'est-ce qu'on a là? Roger Howard. C'est lui, Roger Howard. Et les armes du futur, apparemment. Ça doit être, ben, ça doit être le plan de là où je suis, j'imagine. Ok, donc on est sur ADS, une société militaire qui fabrique des armes. Nouveau type d'armes. Il ressemble à un de tes anciens profs. Ah, il fait peur, hein. Moi, il me fait pas... J'ai pas confiance à cette tête. Maintenez le regard et concentrez-vous, respirez calmement. Concentrez-vous, il y a un petit moment pour calibrer l'unité mémorielle. Je calibre l'unité mémorielle. Oula. Excellent, détendez-vous pour que l'image vous ramène là-bas. Vous risquez de vous sentir un peu désorienté au départ, mais vous serez en sécurité. Le bâtiment sur la photo est le siège d'ADS. Il s'agit, ou devrais-je dire, il s'agissait de la première usine d'armes du Royaume-Uni. Ils mettaient au point une arme appelée Corner Gun dont vous semblez vous souvenir. J'ai participé à la fabrication d'une arme.
peut-être. Oula. Appel entrant. What the fuck just happened? Is this real? Je crois que la réponse soit un peu plus complexe que la question, monsieur Black. C'est suffisamment réel. Calmez-vous et explorez. For now, just relax and explore. Okay. Rappel, volez le prototype, détruisez toutes les données. The corner gun. Highly likely. We believe someone hired you. Text message says Robert. Probably Robert Ramsey. Worked for a rival company, FDG. So one company hired me to steal from another. Don't worry about piecing it all together, Mr. Black. Just relax and... And relax and explore. Yeah, I got it. Ok, donc il faut explorer et voler un prototype. Let's go. Let's go le cambriolage. Je sens que je vais me perdre. Ouvrez. Maintenez LB ou RB. C'est le scanner, ça? Ouais, c'est ça, c'est le scanner. Mais y a rien à scanner, là. Focus, Mr. Black. You're traveling in circles. Vous tournez en rond et le temps presse. I feel like I'm missing something. Such is the nature of memory. The scanner you carry has been designed to stimulate your frontal cortex. In some situations, it may help certain details become clearer. What the fuck is that? It's quite simple. Oh. We programmed in a simulated projection of your real-life scanner. It will help you make sense of any inconsistencies in your synaptic. Il est trop bien, mon scanner. Your memories. Qui fait disparaître les tuyaux. C'est incroyable. Opportunity to engage your mind at last. Not just shoot your way out of a problem. Careful. Those pipes will burn if you get too close. Burn? I thought this was just a memory. It is. But your brain will give you the sensation of being burned. What affects the mind? Affects the body. Cause and effect. This is crazy. Rien. Ah, il y en a deux. Ah, il y en a plein, en fait. Ok. Là, ça me dit, tire-moi dessus. I see you're incapable of rational thought, Mr. Black. I like to be direct. Vite fait, terre à terre. Ok, on va ressortir le téléphone portatif. Il va y avoir un truc à scanner par là. Il n'y a pas d'anomalie ici. Là, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau. Substance détectée, fluide caloporteur. Intéressant. Bonsoir Régis. Bienvenue. Alors, est-ce que ça fait quelque chose d'interagir avec ça?
Ah, il y a celui-là aussi, je l'avais pas vu. J'ai pas l'impression que je fais quelque chose là. Peut-être que je trouve. Alors attends, est-ce que avec. Voilà, avec ça. Ça change, regarde, ça c'est du froid ça. Yo Lexio, comment ça va? Ok. La mécanique du petit coucou avant dodo. Du. Putain. J'ai mélangé les messages. La mécanique du smartphone me semblait naze, mais en fait ça va. Ouais, ouais, mais je pense que c'est... plus on avance dans le jeu, plus ça va... il va se rendre utile. Je viens juste faire un petit coucou avant dodo. Ça va très bien, merci. Et toi? Ben ça va très bien, Lexio. Ben c'est très gentil de passer faire un coucou avant le dodo. Merci beaucoup. T'as repris les cours toi aussi, à part, j'imagine. Alors attends, si je fais ça. Est-ce que ça change un truc? Non. Ça. Là, c'est froid. Donc, est-ce que je peux dire que l'eau est froide? Oui, je peux le dire. Je le dis. Donc. Ça change quelque chose. Là, ça change rien. Si, ça y est, ça se refroidit. Mais du coup, est-ce que je ferme ou est-ce que c'est de l'eau froide qui rentre maintenant? J'ai pas l'impression que le tuyau du milieu il change de couleur. La petite béca du coucou avant dodo. Ouais, je me suis un petit peu embrouillé parce qu'en fait quand j'ai commencé à lire le message, il y a le tien qui est apparu. Mais je me suis complètement embrouillé. Ah mais ça a l'air pas mal, oui. Là, là ça a l'air de se refroidir. C'est moins rouge. Et du coup on va faire celui-là aussi. Et ben voilà. Tout est bon maintenant. Donc là... Ah! J'avais le choix. Ok. En fait, c'est soit je passais comme une brute. Soit. Soit avec mon cerveau. C'est un jeu, c'est un jeu où il y a un peu de tout, je crois. Ça fait un petit peu peur dans l'ambiance. Il y a de l'énigme. Merci à Alex qui m'a offert le sub le 2 septembre. Ben, merci beaucoup, Alex. What's going on? Something feels off. Si Alex a été très généreux, je crois, le 2 septembre. Oula, qu'est-ce que c'est que cette vision-là? Je suis là pour recevoir un traitement, je ferai tout ce qu'on me dira. Wow. Je crois que c'était la forêt de... Ouais, c'était une soirée folle. Ouais. Pourquoi ça recommence? Ah putain, j'ai des visions de plus en plus nettes en fait. Non, c'est pas ma faute. Je sais pas qu'est-ce qui est ma faute. Oh. Remember how to use the weapon? Not really. Why don't you approach the firing line? Je sais pas façon quoi les portes, mais en tout cas j'ai trouvé une arme shoot à 90 degrés. Voilà. Je tire sur le mec en rouge, ouais plutôt hein. All coming back to you, I see. Kind of. It will soon enough. How much did you know? Ok. Donc là, je m'entraîne à utiliser l'arme des prototypes, j'imagine. Crouch and move forward to continue. En inclinant. Alors attends, regardez directement le plafond. En inclinant le corner gun, vous pouvez viser par-dessus votre abri. Attends, je suis abrité là. Oh, ah oui, d'accord, ok, d'accord.
Ouais, pas grand chose. Oh putain! Je suis tombé là? Je suis où? Je crois que je suis tombé, ouais. Ah oui, j'ai pas respecté. Oh. Par contre. Merde. Ça n'a pas marché. La visée avec un stick, c'est. J'ai plus l'habitude. Hein. C'est chaud. La manette, c'est pas ouf. D'ailleurs, je suis du côté du smartphone. Indique les anomalies à proximité. Là, il y a une anomalie. J'étais trop loin, je pense. Oh. Ah, ça recrée aussi. Ok, ouais, c'est. L'anomalie, elle va changer la réalité. Ah putain, ça recommence. I'm back in the ADS building. Technically, you're not even there, Mr. Black. C'est un gentil lui, c'est un méchant. Je tire ou pas? Non, je tire pas. Attends, je vais me rapprocher. Ah, j'étais pas obligé. Mais je l'ai fait. Et maintenant, on me recherche. Parfait. Il y en a là-bas. Ah ouais, mais le mec, il a des lunettes de vision nocturne et tout. Je pense que le jeu voudrait que j'utilise des techniques telles que celle-ci pour le tuer. Allez, montre-toi. Sois pas timide. Il est timide, le monsieur. Pas ta tête, c'est pas bien. Mmh. Cette petite musique, c'est quoi ce point là-bas? J'y vais dessus, mais il n'y a rien. C'est là. Il n'y a rien. Bon, on va avancer peut-être. Je sais pas si c'est par là. Je vois rien. C'est par là. Les petits boutons. Je comprends pas comment ça marche. Tout le monde a l'air bizarre, mais ça sent vraiment rien. Oui, ça n'a pas l'air. Enfin, les gens ne disparaissent pas de façon réelle. Ils rêvent tout aussi réel, mais. Pendant n'est pas encore capable d'imiter le comportement humain. Je vous conseille de ne pas faire de vagues. Chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous réécrivez le souvenir, ce qui pourrait causer une distorsion. Ah, ok, je suis dans un souvenir. Ouais, enfin, moi, je veux bien tuer personne, mais. Les mecs sont un peu agressifs aussi. La carte de cette. Ok, traquer les menaces à l'avance. Donc on essaye de tuer personne, c'est ça? C'est ça l'idée. C'est la jouer agent infiltré. Ah,
Non, mais c'est pas tant pour vivre. Le gun, c'est au cas où. Je me fais repérer. C'est de la défense, c'est pas de l'attaque. Tourne-toi. Pourquoi il se tourne pas? Yes. Okay. C'est juste que je sais pas où je dois aller. Oula, attends, y en a un là. Oh, c'est quoi ça? Alors ils ont une zone de vision. Elle est peut-être pas très périphérique, j'avoue. Ah, par contre, ils sont pas sourds. J'ai fait du bruit en marchant. J'ai fait du bruit en courant et... Quoi? Mais tout, ils m'ont vu. Je suis resté caché. Bon. L'objectif de tuer personne a échoué. Et après, je sais pas où je dois aller aussi. On appelle toujours les deux ascenseurs quand on veut prendre un ascenseur. Il y a toujours un qui arrivera plus tôt que l'autre. Bon, bon, je sais pas si c'est là où je devais aller, mais... Ça a l'air d'être bon. On pouvait tomber sur Roger Howard, le PDG. Ah, c'est ton professeur, ça. Ah, mais j'ai... Mais de toute façon, je devais voler le corner gun. Je l'ai récupéré. Pourquoi je suis pas juste parti, là, maintenant que je l'ai? Pourquoi je... Je fais tout ça? N'oubliez pas qu'après le rendez-vous dans l'avenir, la conférence, nanana, veuillez noter que la... Ok. On n'en a rien à foutre. Right, the guards downstairs reported multiple gunshots. Suspected intruder, so stay sharp. Je pourrais éliminer le premier de façon discrète, mais pas. Hola Franco, come va? Ah, attends. Franco est un italien. Et je parle pas italien. Du coup, dès qu'il arrive, je sors mon petit traducteur. Hop. Sta andando bene et tu? Bene. Si, cool. Oh, je vais tuer là, j'ai pas le choix. Est-ce que je peux en tuer un discrètement avant de tuer? Ah ouais, la discrétion. Très très propre. Ça c'est pro, ça c'est professionnel ça. Ça c'est une belle élimination ça.
Où il va, lui? Alors, il y en a un qui fume sa clope là-bas au fond. Il est un peu loin, là. Ah. Je pensais qu'une balle dans la tête, ça aurait suffi, mais... A priori, non. Ça va, la menace est calme. C'est calme, tout va bien. Putain, la moindre porte qui s'ouvre, les mecs, ils sont grave à l'affût, en fait. Ils sont aveugles, mais ils sont pas cons. C'est une vitre. Je reconnais pas les portes et les vitres là. L'autre il est en panique là, je pourrais jamais m'approcher. Le personnel est éliminé. Il y aura bientôt des recrutements. Ah ouais, je pensais que ça allait être un petit jeu tranquille en mode thriller. Ça part en grosse baston avec des armes, quoi. Et surtout, je comprends rien à l'histoire. Je propose plus de postes que Pôle emploi. J'avoue que là, j'ai été particulièrement efficace pour la prochaine séance de recrutement de l'entreprise. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont embaucher ou... Ça va dépendre de ce que je vais faire au PDG. Je sais pas trop quand ce qui va y arriver. Et surtout, je sais pas où est-ce que je dois aller. Ah, peut-être par là. Je me souviens pas du code. Le souvenir du code est encore là, monsieur Black. Mais vous n'y avez pas accès. Explorez les alentours, l'esprit. Ah, faut que je fasse ressurgir les souvenirs. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin, monsieur Black. Vous avez juste besoin de regarder. Je cherche le code. Pourquoi j'entends des gosses, là? Où est le code? Cinq. Peut-être une partie du code. Neuf. Ok. 5-9. Quatre. Ouh, il a une belle tête de vainqueur, lui. 5-9-4.
Pas une autre photo, un autre truc. A priori, de ce côté-là, c'est bon. Peut-être que j'ai loupé des photos ou quelque chose de l'autre côté. On va retourner de l'autre côté. Il y a la petite musique ici aussi. Ah voilà, là il y a une photo là. 7. Est-ce qu'on n'est pas sur un code de type, il est tout petit, puis il grandit? J'ai l'impression qu'on est sur ça. Hein. Petit serveur là. Ok, donc, on va dire que là, il est tout petit. 7. C'est très silencieux, oui. C'est là qu'on voit que c'est de la science-fiction. Et ça a pas l'air très très bien isolé. Enfin, je sais pas s'il y a la clim. J'ai pas fait gaffe. Donc là, il est vieux. Donc 5. Le dernier, c'est peut-être le 5. 5, on a là le 9 qui est un peu plus haut, donc ça serait 7, 9, 3 je crois, 7, 9, 4, 5, 4, 7, 5, 9, 4, 7, on va tenter ça. Cinq, neuf, quatre, sept. Ah, il y a un ordre. Ah, mais j'ai les photos sous les yeux. Ah, mais j'ai mis 5, c'est 7. 9. 4, 5. Je me suis trompé sur le premier. Il y a encore des serveurs ici. Hein. Là, on est d'accord, là. Ah, je vais prendre le contrôle a priori. Je suis un hacker. Avec mon petit médicat sur la clé USB là. Qu'est-ce que tu savais? Quelle a été ta part de responsabilité? Est-ce que tout est de ta faute? Est-ce que c'est vraiment toi qui as tout déclenché? Ah, échappe, ça ne marche pas. J'ai détruit le serveur, effacé leurs données, tout ce qu'il y a. Oh, ah ouais, j'ai carrément tout effacé, quoi. C'est donc ça, le corner gun. Ah, sudo-RM. Il a tout supprimé. Mais c'est pas ce que j'avais déjà, ça? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je ressorte maintenant? Toute évidence, ça paraît très logique. Il n'y a plus rien. Évidemment, c'est ce qu'affichent les moniteurs habituellement quand tout est effacé. Tous les serveurs sont en rouge également. Incroyable. Oh, oh, il m'attend le monsieur. Ah, there you are. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Your work is impressive, but the show is over. You have my property and I want it back. Il veut me tuer. Personal, you understand. C'est pas très gentil, ça. Ouais, mais en attendant, j'ai tout effacé. Tu vas faire quoi? Ok. Ah, mais ils sont beaucoup, là, en fait. Ah, attends. Si je fais ça, ça... Et ouais les gars, moi j'ai la technologie moi. Vous travaillez ici, vous l'avez même pas le gun. Oh, oh, oh.
Doucement, toi. Ok, deux. Ils sont où les autres? Il n'y en a pas d'autres? Peut-être pas à cet étage-là. Ah oui, exactement ça. Ils sont pas à cet étage. Oh, je suis mort! J'ai rien compris. Par contre, les chargements, ils sont bien longs. Hein. Il n'y a pas le SSD magique sur ma Xbox. Je vais me mettre à couvert. Ok, là je suis bien là. Allez, sors ta tête. Ok. Ah, ça c'est bon ça. Derrière la plante là. Ah, je suis nul, je vise complètement à côté quoi. Ah, il arrive. Qui c'est qui tire là? Oh, bah, c'est qu'on a des nouveaux copains. Et alors, on s'est pris la porte? Ok, bon. Il faut pas oublier qu'il y en a un qui est... Ah, est-ce que c'en est un, ça? Non, ça, ce n'est pas un. Ok. Il court. Ah, c'est... il revient à son poste. Un petit peu de courage, peut-être. De la folie. Parfait. Je ne peux pas prendre l'ascenseur. Coucou. Coucou Jean-Cri, comment ça va? J'en ai assez vu, je vous déconnecte. Vous ne pouvez plus rien faire pour l'instant, je vous déconnecte. Oh, je suis déconnecté comme ça, quoi. D'ailleurs, il y a Brigitte dans le chat, hein, si vous voulez lui dire bonjour. Injuries sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Tu coucou pas? Ben je connaissais pas non plus avant de connaître. Ça s'appelle Get Even, je comprends pas trop. Apparemment j'incarne une espèce de tueur à gage qui peut, grâce à la technologie d'une société, voyager dans mes souvenirs. C'est un peu spécial. Et du coup, je sais pas vraiment ce qui est réel et pas réel. Ah bah alors, j'ai compris, merci. Ah oh, bah t'as qu'à chercher Get Even. Et peut-être que... On en saura plus sur Internet, mais pour le moment... Ouais, Alex, Brigitte est réelle. Si tu lui dis bonjour, elle va te répondre. Outside in the corridor, you see the lines of computer code. All the ones and zeros. Please, approach and proceed. Not that again. Ah, je suis de retour ici. Ah, ça c'est le souvenir que j'ai exploré, ok. Du coup, il y a un autre souvenir. Oh, bonjour, qui c'est? Ah, mais c'est la fille que j'ai soi-disant sauvée, ça. À de suite. Ça, c'était la fille, je crois, que je devais sauver dans au début. Ok.
Et je vais sortir de là et peut-être avancer. Tout ça, je crois que ça a déjà été lu. Ouais, je pense pas que ce soit des nouvelles choses encore. Faut que j'avance. Oh, ça, c'est un souvenir, ça. Oui, il a l'air spécial, lui. Je suis sorti du bureau. Where am I now? This is another memory. Not quite. Vous voyez cette salle d'archives qui contient toutes les preuves que vous rassemblez. Ah, ok, d'accord. Chaque tableau représente un souvenir. Essayez donc de regarder quelques tableaux et voyez ce qu'il se passe. Oh, ah, voilà, déjà on commence à avoir un peu plus clair. Il y a différentes histoires. Any connections or links your mind may have made, even un succès. Are recreated visually by the Pandora. Ah là, d'accord, je cherche des choses par rapport à l'enlèvement de Grace. You can study the investigation further or return to the asylum when you're ready. Just use the photo in the middle of the room. Ok, non. Ah, ça c'est un peu tout ce que j'ai... Ah ok, c'est tous les trucs que j'ai pu lire en fait. Donc il y a des souvenirs du coup, enfin des choses sur lesquelles je suis pas passé, donc il y a des trous. Et ça c'est en rapport avec le kidnapping. Et là j'ai récolté tout ce qu'il y avait à récolter pour le moment. 7, 3, 8, 6. 43%. Après c'est pas du pourcentage là. Là-bas c'est quoi, c'est le pourcentage? Là c'est un pourcentage aussi. Ah, et du coup, si je regarde ça, je retourne dans la mission pour essayer de finir à 100% la zone. Ok. Et ça, c'est l'asile. Donc ça, c'est là où je suis actuellement, je pense. Ok. Bon, ben, let's go. On retourne à l'asile. Good, Mr. Black. Your synaptic transitions are becoming much easier. The room you just visited will help you stay away from conjecture and concentrate only on the facts. Facts? All I know is that my name is Black, and apparently I stole this corner gun. Precisely. And an expert job it was, too. ADS all but went bankrupt after you disappeared with the prototype. But I'm sure we will learn more. As you proceed. Then let's hurry this up so I can get the fuck out of here. No, Mr. Black, we move at my pace. Nous allons à mon rythme. Vous ne pouvez pas si c'est toi actuellement tout métrailler pour avancer comme chez ADS. Nous sommes en pleine enquête, pas un stand de tir. Ok. On va enquêter, ma main. Chose ici. À l'étage. Là, je vois rien. Oula. Red. Hey. Why is everyone loose? The patients must have their exercise, Mr. Black. Now move along. Ok, donc il va y avoir des menaces là. Il y a des mecs qui sont libérés. Il est où cet indice là? Ah, il est là. Et lui, il est pas libre. T'as pas le droit d'être libéré, toi? Trouble de panique sévère. Ah ben, what is this?
Je sais pas si le casque il va faire revivre le souvenir, c'est la meilleure des choses à faire. Les murs parlent, seul le Marudis peut nous libérer. Il y a un édu quelque part dans leur... Oh, un petit succès, allez. Il va nous donner la lumière, il va nous donner le pouvoir de s'échapper au cauchemar à l'intérieur des cauchemars dictés. C'est moi. J'ai échoué, maître. Je n'ai pas réussi à m'enfuir, je ne mérite pas être l'élu. Choisissez quelqu'un d'autre, laissez-moi mourir ici, pourrir ici. Yo yo yo, Stretch Fox. Comment ça va? Oh! Ah ben. Fuck. Oh merde. C'est quoi ça? Putain, c'est pas la Switch, c'est pas les mêmes boutons. Demain, maître, vous briserez les chaînes et vous nous libérez de nos cages et vous empilerez nos... Il a l'air très poétique, ce monsieur. Tu vas bien? Le bébou? Je sais pas si je repasse dans les... Exactement devant les mêmes salles que tout à l'heure. A guest! A guest! I almost didn't see you there. Sneaking around like a cat. Yeah. Ah bah il a l'air bien, lui. Damn it. No way through. Je n'ai pas le code. Je trouve le code probablement. Ça y est, tu es sorti de la zone blanche. Vous devez vous débarrasser des inutiles qui constituent un obstacle. Qui sont les inutiles du coup? Ah, du coup, Jean-Cri, j'ai fait le petit truc que tu m'as dit par rapport à Focus. Le problème, c'est que elle cherche le mot Focus. Bon, j'ai réussi à lui faire en sorte qu'elle cherche le mot Focus uniquement sur Mario Kart. Mais le problème, c'est que si quelqu'un dit « Ah, je me suis fait Focus » et que l'autre, il répond « Ouais, mais bon, il n'y a personne qui te Focus », et ben, elle va aussi répondre à cette personne-là. Et là c'est compliqué, là je peux pas lui faire comprendre les phrases, quoi. Ça devient complexe. Ou lui il a l'air fatigué et bipolaire, dépressif. Hallucineuse alcoolique, adorateur du marionnettiste. Ah. Attends, il y a des numéros. 5, 18, 2, 13, 7, 46. D'ailleurs, là, elle devrait pas te répondre. Victimisée par Brigitte. Là, elle devrait clairement pas te répondre parce que on n'est pas sur Mario Kart en fait. Si je lui refresh ça, peut-être que. Je pense qu'elle a pas réussi à se mettre à jour et à récupérer le nom du jeu.
je double pleure même. Brigitte te montre ses seins, elle est moto. Je fais des déclarations d'amour à TK tous les jours. J'ai pas l'épée, ça te dégoûte. Je l'ai mis moto, je crois, pour qu'elle puisse. Pour qu'il n'y ait pas de limite en fait dans ses réponses. Mais tu veux être modo? Moi je sais pas si tu veux être modo. Pas de souci. Le truc c'est que si t'es modo, t'es plus VIP. C'est un choix. Jesus Christ, the code for the door. I need the code. Ouais, ah oui, les codes secrets, les énigmes. Si vous résolvez mon énigme, vous aurez les codes. Une fête après tout, on veut des récompenses. Ah. Et c'est quoi ton énigme? Brille, brille, petit chat, j'aimerais savoir où tu vas. Des réponses en haut, en bas. Éteins donc pour voir son éclat, petit chat, perdu dans le noir, mais marque, tu dois apercevoir. Turn off the lights and let it glow. Little cat lost in the dark. Can you find my secret? Oh, oui, des marques. Ok. C'est vrai, j'ai pas encore besoin de modération pour le moment. Alors, il n'était pas par là. Par là aussi. Ah, 4 plus 4, 8. Ok. Ok, d'accord. Donc c'est ce genre d'indice. Ce genre de délire. Ok, donc 1, 8. Mais calme, Brigitte, sinon je la 1v1. Ah, mais ça, là, là encore, ça va, du 4 plus 4, je m'en sors. 1, 2, 0, 1. Attends. 1, 0, 1. 2, 0, 1. 2, 0. 1, 2, 1. 0, 0, 2. 1, 1, 0. La bagarre. Donc, 8, 1. Et là, on est sur quoi? On a quoi comme indice ici? Oh putain de sa mère. 2, 2, 1, 0, 0. Est-ce qu'il faut que j'additionne les chiffres? Ça marche comment là? Les deux premiers ça va, mais alors deux derniers. Ça serait 5. Ici. Et là on aurait 4. 1, 8, 4, 5. Il
peut tester. C'est rouge ça? Non, c'est vert ça. Eh ben voilà, c'était ça. Fallait bien additionner. Ok. Joli. Après, si c'était pas ça, je serais parti dans des calculs un peu bizarres. Ouais. Ok, toi tu restes tranquille là-bas. Ok. Donc ça veut chercher la bagarre peut-être là-bas. Fuck, what now? Don't take this music away! Leave it be! Il avait pris les pas sa musique. Laissez-lui ça. Je suis pas allé le voir de suite. Ouh, ça c'est la petite chaise, tu vois, qui que si tu vas là-dessus, tu sais que tu vas pas passer un bon moment. C'est la chaise à éviter. Gif mat. En vrai, Alex, je vais le mettre, le gif mat. Parce que là, il y a un nouveau... Ça a changé un petit peu quand tu lances le... Avec les points, le... Comment ça s'appelle? Le Titanic Flute. Et du coup, il y aura un nouveau... Ça pourrait être pas mal avec le gif des maths, là. Faudrait que je le mette en place aussi. J'ai le clip de la chaise, si tu veux. Le clip de la chaise. Bah écoute, clip. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attends, j'ai pas mon arme. Une zik, enfin du bruit. Vas-y, envoie-moi sur Discord, je regarderai après le live. Ouais, j'avoue qu'il s'est pas très bien battu. Après, le gars a quand même un casque sur la tête un peu chelou. Donc il voit peut-être pas très bien. Et les mecs, ils sont des psychoses, quoi. Enfin, on est dans un hôpital psy. Je pense qu'il est pas dans le meilleur état pour se battre. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je suis rapide sabeur, je crois. Et ben, il a perdu. Il y a plein de jouets. Pourquoi c'est un endroit bizarre là? Panique des rendez-vous. Pourquoi il y a des... Pourquoi c'est des patients les jouets? Ah non, c'est les jouets des patients plutôt, oui. Ça paraît plus logique d'ailleurs. Oh! C'est mon jouet. C'est pas vraiment Outlast, non. Outlast, c'est vraiment un jeu d'horreur. Là, on est plus sur un jeu... Je sais pas comment le définir, en fait. Une enquête, en fait. Mais il n'y a pas de paranormal, d'horrifie, d'horreur, ou ce genre de choses, en fait. Ça a une ambiance un peu bizarre, ça je te l'accorde, mais The
Si, y a un robot claqué, ça fait peur. Oh merde. Voilà, il y a des petits moments comme ça en fait. Mais Dieu, c'est pas vraiment horrifique. Si ça fait peur en fait. J'ai l'impression qu'on voyage un peu dans les souvenirs du gars qui est une espèce de tueur à gages un peu bizarre qui tue pour vivre en fait, c'est son métier. Mais non, c'est pas horreur. Bon, mauvaise nouvelle, le traiteur vient de le lâcher. Il avait deux réservations sur la même journée, donc il va falloir qu'on en trouve un autre. J'aurais jamais pensé que c'était aussi compliqué de se marier. Enfin bref, à plus tard. Je t'aime. Ne dites pas je t'aime à Brigitte. Ah, on peut allumer ou éteindre la lampe, c'est incroyable. Ça doit être les faire. Oh, mariage magazine, nouvelle collection 92, 2 euros, 2 livres 50. Brigitte est cassée? Oh, comment ça, elle marche plus? Oh, elle est cassée, Brigitte. Attends. Pourquoi elle marche plus, Brigitte? Bizarre, ça. J'ai rechargé. Ah, attends, est-ce que c'est pas quand j'ai rechargé... quand j'ai rechargé le truc tout à l'heure, ça l'a cassé. Attends. Je vais la faire revenir. Ok. Elle est là, elle est de retour. Elle est de retour. Par contre, du coup, oui, ça marche pas. Donc, le coup du focus qui doit marcher que sur Mario Kart ne fonctionne pas. Et putain, je peux te dire que j'en ai chié pour le faire marcher que sur Mario Kart. Et du coup, je comprends pourquoi ça marche maintenant sur Mario Kart, c'est parce que ça marche tout le temps. I'm at the studio this afternoon. Call me when you're back and I'll come straight home. We can talk then. C'est la vaisselle, Brigitte. Je sais pas encore ce que vous pourriez lui dire, mais du coup, je vais prendre un peu en compte ce que vous marquez. Dare forget our appointment at the clinic today. 2 p.m. sharp. See you then, Mr. Scatterbrain. Donc là, on revit son histoire avec sa femme. On s'en fout un peu, non? My darling husband, I know this won't be the life we imagined anymore, but I'll be free to focus on my art, and you, well, you'll change the world like you always dreamed you would. And no matter what happens, we will always have each other. All my love, now and always, Lenore. Je fais les phrases plus réponses. Ouais, ben il faudrait que je fasse un truc genre sur Discord pour qu'on rassemble un peu ce qu'elle pourrait dire. Et tout à l'heure, tu me disais quoi, Jean-Cric, hein, par rapport au focus qu'elle détecte focus plus spam, c'est ça? Oh, l'échographie. Oh, le petit chat. C'est le petit chat. Hey, I tried your office, but j'ai l'impression des deux mots dans le même message. Ouais, je sais, c'est pour ça, oui, ça va beaucoup s'activer. Mais déjà, il faudrait déjà qu'elle s'active que sur Mario Kart, ce qui est déjà un petit souci.
Mais ouais, faut que je vois ce qu'elle réagisse à deux mots. Ça a été déjà compliqué pour un. Ah non, c'est peut-être pas ma famille à moi en fait ça. Ça veut dire qu'on est plus qu'un simple couple auquel elle devait peut-être pas pouvoir avoir d'enfants et maintenant elle en a un. C'est qui Grace? Grace c'est la meuf que quand je dois sauver qui a disparu, mais pourquoi elle parle là? Elle est où? Find your way back, Mr. Black. Focus on the right photo and come back to me. C'est en quoi que tu le codes, que tu la codes, pardon? Bah c'est pas du code en fait, c'est juste je lui dis ce qu'elle doit lire dans le chat et elle répond et après c'est pas vraiment un code à proprement parler. What just happened? What was that? Ah, you're back with us. Good. Those memories, they felt different. What was that place? No need to bother yourself with that, Mr. Black. Just a quirk of the technology. So they were my memories. What's going on? That is none of your concern, Mr. Black. It is irrelevant to your treatment. Now, let's suivant. Proceed. Right. Ouais, mon avis, c'est par là. Let me give you an example. How old are you? 25. Imaginons que ce soir, vous rentriez chez vous après le travail. Là, vous croisez un cheval en pleine rue. Et vous avez peur. Crise de panique. Votre cœur bat la chamade. Vos mains deviennent moites. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous êtes un adulte après tout. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un cheval. Seul, vous n'avez aucune possibilité de connaître l'origine de cette phobie. Mais ma thérapie vous permettra de tout comprendre en moins d'une heure. Ah ouais, efficace. Peut-être qu'à l'âge de 2-3 ans, votre père s'est glissé dans votre chambre en pleine nuit, affublé d'un masque de cheval. Peut-être qu'il est resté là sans bouger, il regardait, il respirait, il attendait. Vous vous êtes réveillé, vous avez la peur de votre vie. C'est chelou quand même. Thérapie de régression par le jouet. Il suffit de donner au patient un jouet ou un souvenir de son enfance, et la psychanalyse fait des miracles. Mais tu recherches une condition pour activer la réponse ou tu cherches juste une chaîne de caractères comme focus? En fait, il y a déjà, dans un premier temps, il faut que je lui dise... en fait, j'ai des commandes. Il faut qu'elle réagisse à des commandes. Donc, dans un premier temps, il faut qu'elle détecte quelque chose dans le chat pour activer la commande. Un trigger, en fait. Comme par exemple, quand tu vois, quand j'écris « Bonjour Brigitte », je lui ai dit que quand elle lit « Bonjour Brigitte » ou « Bonjour assistante Brigitte », ou salut Brigitte, ou voilà, tu vois, ce genre de choses, elle active la commande qui permet d'afficher les différentes phrases liées à ça. Et pour focus, en fait, je lui ai dit de lire l'intégralité du chat, qu'elle soit tout le temps en train de lire tous les messages du chat, et que si dans un message, il y a la string focus, elle s'active. Mais il y a la condition que je sois sur Mario Kart 8. Mais a priori, ça, elle en a rien à foutre de la condition du Mario Kart 8. Rebou. Again. Du coup, tu peux pas mettre à la double condition focus et spam en cascade dans le même message. Non, mais je dois utiliser deux commandes, du coup. Je vais devoir lui dire si focus, tu passes à la suite du code. Et si commande, tu passes à la suite du code. Donc, c'est pas grand-chose à rajouter, tu vois. Mais il faut que je le fasse. Les 4 jobs clés, on est tous la cible. Bon, j'ai des cols de mon côté. Bonne fin de soirée. Ben, des bisous, Châtaigne. Merci d'être passé, en tout cas. Et à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit.
Ma connexion est scandaleuse. Oh merde, qu'est-ce qui se passe, Bébou? C'est spécialement aujourd'hui ou... Pas foutu de faire un quick transfert et de regarder un stream. Oh merde, ah ouais, quand même. Mais t'es fibré toi normalement, non? Alors au début il était content de faire le parler, et là il a l'air bien vénère. Spécial là. They always seem real to me. Ouais, je vais pas les écouter de suite. Scale of 1 to 10. Fou. Ok, il est derrière. Il y en a un deuxième ailleurs. Ah, mais là-bas aussi ça tape. Ok, il tape de partout. J'ai ouvert le placard. Il met à l'aise le jeu un peu. Là, là, il met bien à l'aise. Là. Ouais, là, je t'avoue que là, il est... Ah, y'en a un dans le placard, il se fout de ma gueule. Imagine la session d'enregistrement de ce mec. Ah, ils ont dû se régaler. Attends, mais c'est lui qui m'a sauté dessus là. Non, il y était déjà lui, non? Ah non, c'est lui! C'est celui qui me faisait ça avec le doigt. Là, c'est chelou, hein. Ah, donc le placard s'est ouvert, du coup. Le marionnettiste n'est pas l'homme sur les écrans, ni le docteur Benet qui dirigeait l'hôpital psychiatrique de l'histoire avec les soins confinés. Certains affirment que le marionnettiste est une invention et que dans tous les cas, nous sommes tous voués à sombrer dans les ténèbres. Des ficelles attachées à nos mains, mais personne pour les tirer. Signé Dickey. C'est ça, je suis caché. C'est encore... C'est Olivier de Rivière à la prod. Incroyable. Dispute partie. C'est toujours plus oppressant. Ah, c'est lui, il dit toujours de partir. Mais... Lui veut la faire la fête, lui. Patient récemment amputé. Parfait. J'ai l'impression que ça me tape dans la tête. Je t'ai fait peur, lol. Tom Elliott qui a été sur l'ADN de Tom Elliott sur cette table d'opération.
C'est hyper oppressant. Et à tirer. Your dopamine levels have spiked. Are you enjoying this, Mr. Black? The party. Alors, elle était bien la fête, connard. De parler. Elle n'aura pas été longue pour lui. Tant mieux qu'elle s'ouvre pas cette porte, j'avais pas envie d'y aller. Elle était un petit peu plus oppressante que celle d'en haut, je pense. Ok. Où personne ne doit rester dans la lumière. La droite est juste fausse, la gauche est juste. Et à l'abri des regards, on doit rester, la gauche est juste. Quoi ? Oula. Le si, il est spécial. Il y en a, ils ont des pièces un petit peu plus grandes que les autres. Mais c'est vachement grand quand même. Ok, bon. Le roi au sommet de sa tour de fauteuil roulant, Maestro Berry. Il est complètement fou. Ne vous approchez pas de lui ou il dévorera les yeux, carrément. Ah ouais, on est quand même sur un psychopathe haut level là. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je suis dans un asile en fait. Et pourquoi je suis en train de se dire chercher quelqu'un. Attends, je viens de libérer les mecs là. J'avais dit de ne pas les laisser sortir, t'es bête, fini de jouer avec toi. Il n'y a plus rien sur les caméras là. Et ce bouton là il marche pas. Il est cassé. Ah ouais, il y a un mec en haut des... Ok. Ça a l'air chaud derrière la porte, là. Attends, c'est pas par là, du coup. C'est par là. Territoire de Redmond. Vous vous demandez s'il y a une vie après la mort, approchez-vous et découvrez par vous-même. Ou alors payez. Eh ben non, c'est trop tard. Il n'y a pas les 10 heures de The Party sur YouTube. T'as cherché ça. Il est mort, là ? Je suis pas sûr. Hein. What the fuck?
Oh merde. Robert Ramsey, l'agitateur. Tellement pire que Epic Sex Guy, j'avoue. Il respire encore apparemment. Match found. Redmond Macy. Kleptomane. Known aliases. Maestro Berry. Si agitator. De plus en plus vite. Qu'est-ce que vous savez, vous? Voyons si vous avez souvenir de cet endroit. Concentrez-vous sur la photo quand vous serez prêt. Ah putain, ça y est, on va pouvoir avancer. Ok. Je vais pas me faire attaquer par des gens dangereux psychopathes. Oui, ça ressemble au bruit que j'écoute. Homicide. Très bien ça. Détective Hector Chadwick. La mort de Jasper Prado reste inexpliquée. Chadwick est convaincu qu'il s'agissait d'un crime lié à la drogue. J'ai interrogé Jared Potter et Edna Hamilton et Chadwick a pris en charge John Lydon et Albert Hall. Mais rien de tout ça ne nous permet d'avancer. De nouveaux noms sont apparus grâce à l'historique des appels du Prado. Mais étant donné qu'il était dealer, la plupart de ses amis ne sont que de simples clients. Incident de la route. Ok, accident de la route. Suspicion de meurtre. Dans un entrepôt abandonné. C'est beau ça. Ah, celui-là je l'avais pas vu. Bon, sur quelle photo il veut que je me... Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse. Les indices, on récupère les indices. Il m'a dit de me concentrer. Ah, ça doit être celle-là d'image sur laquelle il faut que je me concentre. Let's go. Bon, il est minuit. Interesting. Please. Just tell me why this is important. Un homme a été fait mort dans un entrepôt. Je peux attendre que vous puissiez essayer de sauver la fille. He was shot at point blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct. Yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Il est bluffant ce jeu. Je comprends rien, mais pourtant j'ai envie de continuer. Black, t'es où? Tu avais promis de m'aider.
Oh, des petits cailloux. Jesus, man. Get your hands off. Funny Franny, this. Shut up. Move. Ok, on revoit des souvenirs. Mais je pense qu'au vu de l'heure, il serait raisonnable et préférable qu'on s'arrête ici pour ce soir. Donc, comme a priori c'est de la sauvegarde auto, on va s'arrêter sur ça. Voilà. Donc du coup, coucou Brigitte. Coucou Brigitte. Coucou Dekay. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, on va demander à Brigitte qu'elle vous dise au revoir. Et ensuite, je vous dirai au revoir. Brigitte, dis au revoir. Brigitte, dis au revoir. Merci à tous. Bonne soirée et bonne nuit. Des bisous. Elle est très catégorique, Brigitte. Enfin bref, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci Bébou, merci Alex, merci JC, merci Châtaigne, merci Lexio aussi, je crois qu'il a fait un passage. Après, je ne sais plus qui est passé. Mais bref, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait très plaisir. Je suis content de vous montrer ce jeu. Je ne sais pas si vous le connaissiez. Pour toi, Bébou, je sais que tu le connaissais. Je sais qu'il n'est pas très connu et il est très intriguant et ça donne envie de connaître la suite. Voilà. Donc je vais re-streamer Get Even demain soir. Donc voilà, si ça vous intéresse qu'on poursuive l'histoire et de venir voir ça, ben let's go demain soir pour la suite. Et ben il y a pas de quoi. Alex, merci à toi d'être venu en tout cas. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Allez, ciao.